Coucou tout le monde, toujours hein, chez Lidl, et là on va faire hein, tout ce qui est cosmétique. Et ils ont un rayon quand même bien chargé où il y a pas mal de choses hein. On voit du maquillage, on voit des crèmes. Donc on va commencer hein, par tout ce qui est make-up. Alors make-up, on a des rouges à lèvres hein. Alors rouges à lèvres, alors, le prix il est au-dessus. Donc les rouges à lèvres, ils sont à 1,99€. En fait, ce qui est bien, c'est que alors, c'est connu, hein, la marque Sienne ou Sien, enfin, je ne sais pas comment vous prononcez, mais c'est connu pour être pas mal, en fait, par rapport au prix. 1,99€, vous voyez, les rouges à lèvres, franchement, top. On a des glosses aussi. Alors, les rouges à lèvres, je vais vous montrer, il y a quelques couleurs où on voit beaucoup. Regardez là, on voit un joli marron nude. Là, c'est un rose. Pour vous dire qu'il y a pas mal encore de couleurs. Hein. Ça, c'est les couleurs prunes. J'aime beaucoup. Alors là, on a des glosses. Des glosses qui coûtent 1,99€. Pareil. En fait, il y a pas mal de choses à 1,99€. Hein, je viens de remarquer. Là, on a des glosses brillants. Regardez, on a cette couleur-là. On a même du transparent. On a du rose comme ça, cerise. Ça, c'est super joli aussi. Ensuite, on a des ombres à paupières. Ombres à paupières, c'est la seule chose qui coûte 1,49€ en termes de maquillage. Alors là, ombres à paupières, il y a deux couleurs. Là, je vois du gris clair, du gris foncé. Et on a du marron clair et marron foncé. Je regarde s'il y a d'autres couleurs. On a ce style-là que je ne connaissais pas. Il n'y a qu'une seule couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi que couleur? Sinon, c'est principalement ces deux couleurs hein, qu'on retrouve. Voilà, on continue avec les crayons. Alors les crayons Kajal, je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça, les crayons Kajal. Et ça c'est quoi? Non, c'est ça les crayons Kajal, mais je pense que ça sont 1,99€ hein, aussi. Donc en fait c'est un crayon à sourcils, plus la brosse. Et là la couleur, elle m'a l'air d'être bien. C'est un marron foncé. On a marron foncé. Ça, c'est crayon pour medium brown. Alors ça, c'est peut-être pour les sourcils clairs. Medium brown. Et on a un brun assez foncé. Et ça, c'est dark. Ça, c'est un blond foncé. Donc, celles qui sont blonds foncés. Et ça, c'est plutôt foncé. Enfin bref, tout ça, c'est 1,99€. Hein. Alors, il y a le crayon plus la brosse. Ensuite, on a du crayon Kajal. Alors moi j'ai jamais encore hein, testé celui de chez Lidl, mais j'adore le Kajal de toute façon. Celui-là il est à 1,99€, il y a du noir. Là on arrive au vernis et à ce qui paraît les vernis ils sont top. On m'a dit qu'au niveau de la tenue ça reste, ça reste. Et là on a du choix en termes de couleurs, je crois que je vais en choisir un de vernis. Moi j'aime beaucoup, moi j'aime tout en fait comme couleur. Alors, par contre, j'aime pas quand c'est brillant. J'aime bien quand c'est quand même assez mat. Alors, vous voyez, il y a des, regardez cette couleur, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Là, on a du rouge. Nail polish. On a cette couleur-là qui est sympa. J'en ai déjà, j'en ai plein de ces couleurs-là. Bon, il n'y a pas énormément de couleurs, par contre. Désolée, hein, je vais être un peu longue, mais voilà, j'aime bien regarder et vous montrer en même temps. Regardez, il y a du transparent. Transparent, ça c'est bien aussi. Hein. Voilà, en termes de couleurs, je vous disais, il n'y a pas énormément de couleurs. On va dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 6, 7 couleurs. 6, 7 couleurs. Ouais, ça va. Donc, de toute façon, pour 1,99€, je trouve que franchement, ils sont top. On a du mascara pareil, hein, volume ou waterproof à 1,99€. C'est celui-là. Je pense que pour le maquillage, c'est tout. Alors, je sais pas, ils font... Ah si, il y a des bébés... Bon, on va pas être ça du maquillage, allez. Des bébés crèmes. On a des bébés crèmes à 3,45€. Il y a deux teintes. Il y a clair et il y a clair à médium. Voilà, 3,45€, hein, le prix, il est juste au-dessus. Alors, j'avais pas vu, hein, c'est normal, parce qu'elle se trouve hein, juste au niveau des caisses. C'est bah, toute cette gamme-là. Et on a, pareil, hein, on a pas mal de couleurs
en termes de... Ils sont tous à 1,99€. Des vernis. On a du crayon à lèvres. Comme ça, 1,99€. Alors ça, c'est des gloss. Non, c'est Perfect Eyes. Alors ça, c'est un primer. Pour avant de mettre le fard à paupières. Voilà, ça, c'est quoi? Ça, c'est un concealer. Un anti-cerne. 1,99€. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, voilà, c'est une poudre compacte. Alors là, je vois quand même plus de choix. Hein, c'est pas mal. On a du crayon et on a des... ça, c'est du Kajal, ça. Crayon oriental. Ah, c'est Jemé qui fait ça. Alors, il y a aussi Jemé. Ah, je suis assez étonnée. Pareil, hein, je pense pas que c'est 1,99€ également. Il y a du Jemé, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est quoi? Ça, c'est du mascara aussi. C'est la marque Sienne, par contre. Alors, je pense que je vous ai tout montré. Là, c'est les crayons à lèvres. Là, c'est du noir, c'est du Kajal. Et en termes de... Pareil, en termes... C'est plutôt des couleurs nudes. Voilà, on continue avec... je suis soufflée là parce que c'était sur l'autre côté. Je vais vous montrer. En fait, il y avait la barre là. Elle est bloquée. J'arrivais pas à la pousser. Ensuite, il y a la gamme caviar. Alors, la gamme caviar, je vous l'avais fait... Je l'avais montré il n'y a pas très longtemps. Et là, on a pas mal de choses. Alors déjà, là, on a un masque pour le visage. Masque pour le visage à 3,49€. On a une crème pour cou et décolleté. C'est un soin à 4,99€. On a une crème hydratante triple action à 4,99€. Hein, toujours la gamme caviar. Et on a une crème de jour à 4,99€. Alors ça, c'est des choses que je ne connais pas. Hein. Si vous connaissez les filles, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Ça va faire des heureuses comme ça, s'il y a des personnes qui veulent se lancer pour tester. Alors ça, c'est une autre gamme. C'est la gamme Cellular Beauty. Alors, on a la crème de jour. Crème de jour, c'est celle-là. Elle est à 3,49€. Et crème de nuit à 3,49€ également. Et le sérum. Ça, c'est le sérum. Ah non, c'est pas un sérum. Sérum, là, dont il parle, 4,99€, c'est celui-là. Et ça, j'en ai pas le prix. Dommage. Donc voilà, c'est la gamme Cellular. Après, regardez. Ça, c'est génial. D'ailleurs, je vais la prendre en photo tellement c'est joli. Bah, c'est toute une gamme de vernis. Alors c'est Valentine's et là je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choix en termes de prix. Alors on n'a pas les prix qui sont notés, il n'y a rien de noté, et là il y a pas mal aussi de petites choses, hein. Ça c'est des choses qui sont assez nouvelles, par exemple les boules de bain à 1,99€. Il y a les soins douche à 1,99€. Il y a des cristaux de bain à 99 centimes. On continue avec la gamme aussi qu'on voit tout le temps. Alors le nettoyant pour le visage, le gel nettoyant pour le visage, pardon, 1,69€. C'est soit, il y a soit gel nettoyant ou soit gommage. Vous voyez, gommage, c'est celui-là, exfoliant. Et il est à 1,69€. Ici, on a les crèmes qu'on voit, on les voit souvent, ceux-là. Ils sont tout le temps là. C'est des crèmes. Alors, il y a celle-ci. Alors, ça, c'est à la glycérine et au panthénol, peau normale. Ah, celle-là, elle est à 2,99€. De toute façon, elles sont à 2,99€, toutes les crèmes. Ça, c'est crème de nuit. Cuten Plus, et ça c'est crème de jour, hein, toujours anti-ride, à 2,99€. On a l'eau micellaire. Alors c'est des choses que franchement je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien, parce que je les ai pas, je connais pas, je les ai jamais testées. Eau micellaire, alors on a deux types, pour les peaux sèches et peaux normales à mixte, 1,49€, et il y a 250 ml. Alors je reviens sur ces vernis. Donc ils sont à 1,99€.
Alors, merci. On revient aux lingettes démaquillantes. 85 centimes. Donc, on a celle-ci. Peau normale à peau mixte. Et on a celle-là, sans parfum. Donc, ça, c'est pour les peaux sensibles. On a le gros pot de crème. Gros pot de crème hein, pour la peau. Alors, on a celle-ci à huile de pépins de raisin et beurre de karité. Et celle-ci, huile de jojoba et beurre de karité, 1,49€. Hein. C'est vraiment le gros pot. Hein. Et là, c'est des disques démaquillants, 85 centimes. Et là, ils sont un peu plus larges, ils sont à 1,15€. Ça, c'est pratique. Je vous ai parlé de vernis, mais voilà, il y a aussi du dissolvant. J'avais acheté un dissolvant ici. En fait, je l'avais même présenté dans un haul. C'est une petite bouteille comme ça, avec, vous voyez, de la mousse à l'intérieur, imbibée de dissolvant. En fait, il y a juste à mettre le doigt comme ça pour enlever le vernis. Et c'est vraiment pratique. Et maintenant, je pense que dès qu'il y en a plus à l'intérieur, je viderai, je mettrai du dissolvant dedans pour l'utiliser tel quel. On continue avec ceci. Alors ça, c'est des lotions pour le corps. Alors ça fait un petit moment hein, qu'ils sont sortis et je vous les avais déjà présentés. Il y a citron et verveine, il y a lavande. Et le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est peut-être lait d'amande. Au lait d'amande, ils sont à 1,99€. Alors ça, pareil, hein, si les filles, ça vous dit, si vous avez envie de connaître les notes, que ce soit avec l'application Yuka ou Insee Beauty, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de le faire. Et n'hésitez pas à me dire, donc en fonction de votre demande, hein, je le ferai ou pas, parce que ça prend quand même du temps. Voilà, alors on a ici des crèmes pour les mains. Alors il y en a plein, il y en a vraiment plein, il y en a toutes sortes. On a un concentré ici de crèmes pour les mains SOS, donc je pense que ça doit être des mains dans un piteux état comme les miennes. On a celle-ci, anti-âge. Elles sont toutes à 1,39€. On a celle-ci, crème pour les mains, soit quotidien. On a sienne, ça c'est pour... ça sert à rien à voir ici, en fait c'est une crème solaire. Donc voilà pour mon petit tour hein, au niveau de tout ce qui est vraiment soin du visage. Hein. J'ai pas fait gel doux, j'ai pas fait les shampoings, etc. Je le ferai peut-être sur une autre vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire juste avant. Voilà, il y a plein de parfums ici. Hein. Il y a plein de parfums super intéressants, 4,29€. Et c'est des dupes en fait, c'est des dupes. Alors je crois que celui-là, c'est comment dire, Dior. J'adore. Ouais, hein. Ouais. Ça pourrait. Donc voilà, venir tester hein, si vous voulez. C'est de l'eau de parfum. Donc il y a de l'eau de parfum, mais il y a également de l'eau de toilette pour hommes. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.